Hello tout le monde! Hello, hello! Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Bienvenue, bienvenue! Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est OK? Mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs. Ok, c'est bon. Ah, j'ai rien touché pourtant. Bonjour tout le monde, comment ça va? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ces nouvelles portes ouvertes virtuelles à l'occasion de la future sortie du mini-catalogue et de la brochure Celebration qu'on attendait tous et toutes avec impatience, la deuxième de l'année donc. Voilà, depuis l'année dernière, nous avons deux celebrations dans l'année au lieu d'une, donc on est quand même super gâtés, double occasion de se faire plaisir, et vous allez voir, ça va être génial. Coucou Flo, oui, bien sûr, la vidéo restera sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube, puisque je stream sur les deux en même temps, donc il n'y a pas de souci. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors j'ai raté quelques personnes, j'en suis désolée. Bonjour Françoise, Rachel, Muriel, Image Nickel, merci. Émilie, Viviane, coucou Pascal, coucou Sandrine, coucou ma petite fafa. Coucou. Ah super, ça a l'air de fonctionner aussi. Sur YouTube, je vois les noms de tout le monde, même sur Facebook apparemment. Donc j'ai compris d'où venait le souci, je ne peux pas streamer en même temps sur un groupe privé, c'est pour ça que les noms étaient cachés. Donc ça y est, j'ai la réponse. Coucou Isabelle, ça va ma belle? Coucou Véronique. Bonjour Isabelle, l'autre Isabelle du coup. Bon, ça y est, le jour J est arrivé. Bonjour J'ai lu que la fin, pardon. Bonjour Catherine, bienvenue. Coucou Sandrine. Alors, il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler. Il y a plein d'infos qu'il faut que je vous donne. Alors, on va essayer de faire ça tranquillement dans les temps. Avant toute chose, j'espère que vous avez sous la main un papier, un crayon. Pour noter les questions de la chasse au trésor, notre traditionnelle chasse au trésor que je fais donc à chacune de mes portes ouvertes depuis quelques temps maintenant. Une douzaine de questions. Coucou Marie-Christine. Oui, ça va bien et vous? Oups. Voilà. J'ai mon siège qui fait des siennes. Ça commence fort. Donc voilà, 12 questions, vous avez l'habitude aujourd'hui. Vous allez entendre la petite sonnerie de mon téléphone toutes les 20 minutes. Je vous poserai deux questions à chaque fois toutes les 20 minutes. Et pour eh bien, m'envoyer vos réponses, il faudra le faire par mail, d'accord? Et je ferai donc un tirage au sort, peut-être que... la plupart des personnes qui sont présentes en ont l'habitude, mais il y a peut-être des petites nouvelles. Eh bien, je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses pour faire gagner, tadam, le nouveau kit d'outils d'embossage qui est disponible au mini catalogue. Voilà, qui sera dispo dès le 1er juillet. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, vous aurez presque tout ce qu'il vous faut pour réaliser l'embossage à chaud. Vous allez voir, c'est génial et on a le grand plaisir de retrouver le petit coussin, vous savez, qui empêche l'électricité statique. Ça commence bien. Mon Dieu! Et qui empêche en fait tout simplement la poudre de se disperser un petit peu partout sur notre papier. Je crois qu'il va falloir que je réduise la cadence. Je vais pas tenir les 2 heures, sinon à ce rythme-là. Coucou Mumu, coucou Rachel, bonjour Sabine.
Allez, on va se calmer, puis on va mettre la vitesse en dessous. Hein? Voilà. Donc, je disais que le petit coussin empêche l'électricité statique et évite à la poudre de se disperser sur le papier. Et une fois qu'on la chauffe, bien, ça évite d'avoir des petits résidus qui seraient là où ils ne devraient pas être. Voilà. Avec en plus la petite pince, le petit pinceau, vous allez voir, mais je vais vous montrer tout ça en vrai tout à l'heure. Bonjour Jocelyne, bonjour Daniel, bienvenue à vous. Dans la salle de concert, je ne peux pas mettre le son, pas de souci. Coucou Luna, et bien aujourd'hui je fais mes portes ouvertes, donc je présente quelques créations autour de la Celebration et je vous fais aussi un petit haul pour vous présenter une grande quantité de produits du mini catalogue qui va démarrer dès le 1er juillet. Tu as pris du Red Bull, fais attention, ça donne des ailes, tu risques de t'envoler. Moi, je suis mal barrée si je m'envole. Effectivement, c'est les vitamines que j'ai prises qui ont tendance à me booster un petit peu. Coucou Ticia, comment vas-tu? Coucou Yvette, ah, effectivement, tout à fait. Eh bien, écoute, tu me lances une perche pour donner une des nombreuses informations que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Nous avons appris hier une excellente nouvelle de la part de Stampin' Up. Ils ouvrent deux nouveaux marchés, donc la République d'Irlande, mais également la Belgique. Donc très bientôt, fort probablement au moment de l'automne, eh bien nos amis belges auront la joie de pouvoir commander sur nos boutiques en ligne et également rejoindre nos équipes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super sympa. On est vraiment très 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 heureuse de pouvoir accueillir très bientôt nos amis belges. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs qui en rêvaient depuis très longtemps. Donc voilà. On attend d'avoir encore un peu plus d'informations quant à la date précise, etc., etc. Vous vous doutez qu'il y a plein plein de choses à mettre en place, ne serait-ce que sur le plan administratif. Donc dès que j'aurai toutes ces infos et la date, bien sûr, je ne manquerai pas de vous la communiquer. Mais c'était vraiment génial de pouvoir vous partager cette nouvelle info que nous avons apprise hier, tout simplement. Voilà. Avant de démarrer et avant que nous ayons les deux premières questions de la chasse au trésor, je voulais aussi vous rappeler que jusqu'à demain, il y a encore quand même les liquidations du mini catalogue actuel. Donc il y a encore plein 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 de produits dispo avec des réductions incroyables. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne, d'accord? Et vous verrez toutes les nombreuses réductions qui sont encore disponibles. C'est encore possible! Coucou Annelise, comment vas-tu? Voilà, ça c'est encore une nouvelle info, vraiment de quoi se faire plaisir à prix réduit. Pourquoi s'en passer? Mais on a aussi la promo des kits, vous le savez, le deuxième le plus cher à moins 50%, donc c'est assez incroyable. Voilà, allez-y, profitez-en avant de partir en vacances. Vous avez un ou deux petits kits. Toc, on met ça vite fait dans la valise, ça prend pas de place et on peut continuer à scraper tranquille, même en vacances. Coucou Jean-Luc et Chantal, comment allez-vous? Bonjour Maroutine, tu vas bien? Luna, j'adore les nouveaux Incolor. Oui, c'est vrai qu'elles sont absolument magnifiques, les Incolor. Je suis d'accord avec toi, Luna. Alors, ok, je vois que ça a l'air de fonctionner. J'espère que ça fonctionne aussi sur YouTube. Je ne vois pas beaucoup de personnes commenter justement sur YouTube. Marie-Christine a l'air d'y être, mais bon, on va voir si ça fonctionne sur la durée. Alors, ok. Dernière information que je voulais vous transmettre, la plupart des personnes qui ont reçu un catalogue de ma part savent déjà ce qu'il en est. Mais je voulais vous rappeler que j'organise tout le mois de juillet une tombola. Et oui, du 1er au 31 juillet, je vous propose d'obtenir un ticket par tranche de 80 € d'achat. Et du coup, je ferai un tirage au sort, donc voilà, au cours de cette tombola, pour faire gagner la collection complète
de histoire de gnome. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. Encore une fois, celles qui ont reçu un catalogue de ma part ont déjà pu en découvrir une partie, hein, de ces petits gnomes. Donc voilà, je vous offrirai la collection complète avec cette tombola. Donc elle dure du 1er au 31 juillet. Ça vous laisse du temps, bien sûr, pour pouvoir participer à cette tombola. J'espère que ce cadeau vous plaît et vous enchante. Merci Fabienne. Ma fille, alors Sabine, ma fille a acheté une serviette de plage couleur oasis d'orchidée. Incroyable. Luna, je crois que je vais pas tout rentrer dans ma valise. Ah oui, non, mais ça, je connais bien le problème. On est d'accord. Ok, bon, bah écoutez, je crois que, a priori, je vous ai donné déjà un maximum d'informations. J'en ai d'autres à vous donner au fur et à mesure. Coucou Evelyne, ah, ça coupe beaucoup. Écoute, n'hésite pas à te reconnecter ou sinon tente peut-être sur YouTube, on sait jamais. Pourquoi pas? Alors, est-ce que vous êtes prête? On y va? On commence la découverte? Allez, c'est parti. Toc, je bascule, me voici ici en haut et on va pouvoir découvrir tout ça. Alors, vous le savez, je n'ai pas le droit pour l'instant d'ouvrir ces deux petites merveilles. Voilà, devant vous, je ne peux pas les ouvrir, je ne peux vous montrer que la couverture, mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer un max de choses, ne vous inquiétez pas. Ok? Pas de panique, vous allez voir, ça va être pareil, voire mieux, justement, de pouvoir voir les produits en direct. Coucou Elsa, coucou Nathalie, ça va les filles? Bienvenue. Alors, hop. Je vais commencer à boire un petit peu. Voilà. Donc ça, ces deux choses-là, nos précieux, la plupart, vous les avez déjà, si vous me les avez demandé, si vous êtes déjà ma cliente. Si parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore de démo et qui souhaitent les recevoir, eh bien, n'hésitez pas à me le demander. Vous avez donc sur Facebook, en haut de la publication et sur YouTube, dans la barre d'infos, un lien pour pouvoir remplir un formulaire pour me demander donc ces catalogues avec aussi l'annuel. Bonjour Catherine, bienvenue. Ok, aujourd'hui les créations vont être essentiellement focalisées donc sur les produits gratuits de la Celebration, auxquels vous aurez accès donc dès le 1er juillet et jusqu'à fin août. Des 60 euros d'achat par tranche de 60 euros. Donc n'hésitez pas à en profiter puisque du coup après ces produits-là, ils vont disparaître. On les aura plus du tout, du tout, du tout. Ok? Donc c'est parti. Vous êtes prêtes? On y va? Alors, on démarre. Je mets ça de côté pour avoir de la place parce que je vous avoue que je suis un petit peu envahie. J'en ai un petit peu partout autour de moi. Ok. Nathalie, ça coupe. Écoute, je suis absolument désolée. Je ne peux rien faire du tout concernant le réseau. Ça ne fait pas partie de mes compétences et de mes capacités. Je suis vraiment... Voilà, j'ai le routeur comme d'habitude, vous le savez. Donc vraiment, je ne peux pas faire mieux que ce que je propose aujourd'hui, comme chaque semaine. Reconnectez-vous, tentez de passer sur YouTube, peut-être ça passera mieux, ou reconnectez-vous. Voilà, vraiment, j'ai pas vraiment d'autres solutions. Je suis désolée, vraiment. Ok, alors je vérifie ça. C'est bon, l'image a l'air ok. Allez, on y va. Par quoi vais-je commencer? Alors, vous savez quoi? Je vais commencer. Allez, je vais vous montrer un premier papier. Coucou Chris, comment ça va? Coucou Na Ah oui, Nathalie, ça y est, t'es passée sur YouTube. Bon, bah écoute, j'espère que ça va passer un petit peu mieux. Alors, dans les premiers cadeaux que vous pourrez obtenir dès 60 euros d'achat, on a ce magnifique papier argent et or. Coucou Francine, bienvenue. Donc, avec des rayures
en doré, des petits pois en doré, la même chose en argenté. Hop. Je vous montre ça tranquillement pour que vous ayez le temps de les voir. Bonjour Marie-Dominique, comment ça va? Oh Evelyne, je suis sincèrement désolée que tu sois malade, ma belle. C'est pas grave si t'es pas là tout le live, t'en fais pas, il y aura le replay, donc pas d'inquiétude. Donc imaginez ce papier, sincèrement, il y a énormément de possibilités. Vous pouvez évidemment les coloriser avec des blends, avec les brosses à estompes. Vraiment, vraiment, il y a énormément de choix. Vous pouvez décider que ce sera pour des créations de Noël, mais pas que, c'est ça qui est sympa aussi. Et puis là, du coup, vous pouvez combiner avec tellement d'autres choses que c'est un vrai bonheur. On est sur du papier en 15-15 et vous pouvez l'obtenir dès 60 euros. Je les ai pris, mais n'arrive pas encore à m'en servir. Ça va venir. On peut pas tout utiliser d'un coup, Mimi. Tu le sais. Donc voilà le premier produit, hop, que vous allez pouvoir avoir. Donc le papier spécialité en 15-15, argent et or. Nous nous approchons des deux premières questions. Restez attentifs, vous allez voir. Ça va bientôt sonner. Dans cette brochure Celebration, pardon, vous allez aussi découvrir ces magnifiques poinçons qui sont en fait coordonnés avec un set de tampons qui est dans le mini catalogue. Je vais vous le montrer, bien sûr. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Voilà toutes ces jolies choses. Donc là, c'est pareil. C'est un produit que vous pouvez obtenir dès 60 euros d'achat. Je vais le tourner. Peut-être que vous verrez un petit peu mieux comme ceci. Donc on a des petits sympas. Oui, la petite caravane est très très fun. On a aussi le poinçon du petit chien ici. Voilà, on a des contours. On a ici un poinçon pour décorer la caravane, lui ajouter des petites banderoles. Ah, et voici, hop, la première alarme. Le chouchou de Delphine. Ah, je savais pas que c'était le chouchou de Delphine. Et donc, il est coordonné à ce magnifique set de tampons. Donc on retrouve de quoi faire les petites guirlandes. On a le petit chien, ce qui veut dire que le petit chien, on va pouvoir le tamponner, mais aussi le découper tranquillement. Les petites pancartes ici, elle est ici. Regardez comme c'est chou. On a les petites pattes du chien ici. C'est trop mignon. Les différents sapins. Voilà. Donc celui-ci coordonnées avec ça. Je suis à Bourg-en-Bresse, je regarde tant que j'ai du réseau. Coucou Marie-France, super. Sur le catalogue, c'est marqué à partir de 120 euros. Oui, le set de poinçons, excusez-moi, je me suis trompée, j'ai parlé un peu trop vite. Donc ce set de poinçons est disponible à partir de 120 euros d'achat. Et vous trouvez donc le set de tampons coordonnées dans le mini catalogue. Merci beaucoup à vous pour ce petit rappel à l'ordre. Alors, il me semble bien que nous avons entendu la première sonnerie pour les deux premières questions. Alors, à vos papiers, à vos crayons, c'est parti. Voici les deux premières. Nommez un kit présenté dans le mini catalogue. Attention, on n'oublie pas, on ne répond pas dans les commentaires. On garde bien les réponses pour soi et on me les envoie ensuite par mail à harmoniescrap@harmoniescrap.fr. Oh punaise, mon voisin vient de sortir la tondeuse, je crois que je vais lui couper le câble. Et le pire, c'est que je sais que t'en es capable, papa. J'adore. Mon Dieu, j'adore.
J'imagine très très bien notre petite Fafa courir après le voisin pour aller couper le câble de la tondeuse. Donc je répète la première question, nommer un kit présenté dans le nouveau mini catalogue. Deuxième question, attention, nommer cette fois-ci deux produits contenant des sucres d'orge. Facile, hein? Nommer deux produits contenant des sucres d'orge. Le voisin de Fafa, il va être détesté à mort. Je vous redonne les deux questions. Nommez un kit présenté dans le nouveau catalogue, le nouveau mini catalogue. Et la deuxième question, nommez deux produits contenant des sucres d'orge. Merci beaucoup Marie-Claude d'avoir noté la question en commentaire. C'est très sympa pour les autres, vraiment très sympa. On n'oublie pas, on ne donne pas les réponses dans les commentaires, juste les questions. Mais Marie-Claude, c'est adorable de mettre la question. Ok, bon, alors ça y est, nous avons fait les deux premières questions. Toc, je me fais une petite marque parce que je risque d'oublier au fil de notre avancée. Harmonie à la vision de Fabienne courant avec ses ciseaux Stampin' Up après la tondeuse du voisin. T'as tout compris, Titia. C'est exactement ça, c'est un truc de dingue. Allez, je vous laisse une ou deux secondes pour remplir votre questionnaire. Hop. Et on va pouvoir continuer. Et je vais vous présenter tout de suite. Je voulais pas le faire en premier parce que je savais que j'aurais pas assez de temps. Je vais vous présenter mes chouchous, qui sont les chouchous de nombre d'entre vous, je le crois bien. Vous êtes prêtes? On y va? Je vous invite à découvrir, en fait, pas un, mais deux produits. Attention, attention. Est-ce que quelqu'un peut la filmer? Est-ce que quelqu'un peut filmer Fafa en train de courir après le voisin? Sabine, t'as tout à fait raison. Bravo, je te félicite. Effectivement, mon chouchou et le chouchou de plein d'entre vous, je le sais. Ce sont les hippopotames. Ils sont magiques. Il y a tellement de choses qui sont possibles de faire avec ces petits hippos. Alors, sachez que vous avez la possibilité d'avoir dans un premier temps le set de tampons, d'accord, qui est accessible dès 60 euros d'achat, d'accord, et que nous avons la chance d'avoir également les poinçons qui, eux, sont eux aussi accessibles dès 60 euros d'achat. Coucou Héloïse, ça va ma belle? Oui, j'ai déjà des découpes dedans. Voilà. Donc ça, c'est juste magique parce que du coup, on peut tamponner tranquillou nos petits hippopotames et du coup, après, on peut aussi les découper parfaitement. Donc, c'est vraiment un vrai bonheur. Donc, séparément, dès 60 euros pour le set de tampons. Dès 60 euros pour les poinçons, n'oubliez pas, c'est bien séparé. Attention, d'accord. Coucou Karine. Et c'est absolument magique, mais ces petits poinçons, il y a aussi plein de détails. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Si vous regardez bien, on a des petites lunettes, on a un masque et un tuba, on a la bouée de sauvetage, on a la barque, le petit parapluie. Une petite bassine pour faire trempette, les petites vagues, un petit chapeau. Non mais franchement, vous avez vu tous ces détails, c'est juste incroyable. Et pas que les pour enfants, que pour les enfants, on est bien d'accord. Je vais vous montrer quelques petites créations que j'ai réalisées avec ces hippos. Hop, c'est parti. Alors, une petite carte. Toute simple, sur laquelle j'ai tamponné en arrière-plan
la petite hippo avec son petit tutu. Et puis, la découpe au centre, un joli petit ruban. Oui, d'accord, Marie-France, il n'y a pas de souci, ma belle. Tu regarderas en replay, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, toute simple, accessible vraiment à tous les niveaux. Hein, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment très simple. Mais du coup, qui est assez sympa. Avec les petits textes aussi, hip, 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 oura, tamponnés derrière. Pour nous, il faut bien nous représenter en maillot de bain, Drindrin. Non, mais ça y est, je te jure. Elles sont folles. Coucou Maria, bonjour Catherine. À rajouter à mon zoo en tampon. Exactement, Nathalie, tout à fait. Donc, il y a vraiment, je vous suis sûre, hein, une infinité de possibilités. Je ne suis pas sûre que ce soit très français, mais bon. Coucou Joël, comment vas-tu, ma belle? Voilà une première petite carte. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? Une autre carte très simple que j'ai réalisée donc avec une technique que nous avons apprise il n'y a pas très longtemps, avec les blends. Donc simplement les clairs et les foncés, voilà, pour faire un fond de carte. Et du coup, j'ai tamponné en noir par-dessus les petits hippos, tout simplement. Un petit sentiment ici qui vient, celui-là, cela vient de Voici plein de sourires, hein, qui est au catalogue annuel. Et voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué. C'est tout simple. Comment elle fait pour être si gracieuse, Madame Hippo? Ça, c'est une excellente question. En tout cas, elle l'est beaucoup plus que moi, ça c'est sûr. Super modèle à faire aux enfants. Oui, bonne idée, ma petite Drindrin, t'as raison. Exactement. J'ai dû rien mettre à l'intérieur, non, voilà. Donc, une petite carte vraiment toute simple. Et du coup, ça nous permet de nous éclater avec nos feutres à alcool, les clairs, les foncés. On est ici sur Tahiti en mer, grenouille guillorette et mélodie de mangue. J'avais un petit doute. Une autre petite version. Coucou Francine, tu les aimes, hein? Bah ouais, ça m'étonne pas. Ici, alors j'ai coordonné deux sets, ça va me permettre de vous en présenter un second de la Celebration, qui n'est autre qu'un set en fait de tampons avec des sentiments. Je suis en train de le chercher, voilà, qui s'appelle mot à mot. Donc pour les textes ici, il est génial. Regardez. Il est vraiment très très sympa parce que du coup on a énormément de messages dans des polices d'écriture différentes. Donc ici j'ai tamponné ton sur ton le mot formidable, vous l'aurez remarqué, d'accord. Et tout simplement, eh bien j'ai découpé plein de petits éléments qui sont dispo. C'est du papier alu presque, c'est du papier argenté en fait, tout simplement. Et j'ai embossé avec le classeur de gaufrage éclaboussure, qui est au catalogue annuel, voilà, pour lui donner un petit peu plus de cachet. Ça et tout le reste, ce sont donc des découpes qui sont dans les poinçons. Je crois que ça fait un mois que j'ai déserté ma scrap room. Bah oui, avec le boulot que tu as, ma pauvre Héloïse, mais tu vas voir, ça va revenir. Arrosage assuré. Les petites lunettes, du coup, que j'ai découpées en deux fois, une fois en rouge et une fois en noir, pour pouvoir récupérer les verres que j'ai posés ici. À tester avec le papier alu, ouais, pourquoi pas. Oui, ça ressemble à du papier alu, non, mais c'est clair, mais en fait, c'est du papier à papier argenté, tout simplement. Voilà, on a aussi les découpes, hein, des petites gouttes d'eau, que vous n'avez pas dû voir, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Mais du coup, c'est juste hallucinant. Et vous ne voyez peut-être pas bien à l'écran, mais je leur ai mis un petit peu de Wink of Stella pour mettre un petit peu de paillettes sur ces petites gouttes. Voilà, vous voyez un petit peu plus en détail. Voilà, les découpes forment à la mode, tout simplement. Voilà, tout simple, vous avez vu, on peut vraiment, vraiment, vraiment s'éclater. Donc, surtout, n'hésitez pas, quand vous allez passer vos commandes, ne tardez pas à les choisir parce que je pense qu'ils vont faire fureur. Donc, ils vont être dispo, hein, les deux mois, mais peut-être qu'il risque d'y avoir un creux parce que tout le monde va se jeter dessus. Donc, ne tardez pas.
Voilà cette petite coordination. Je vous montre aussi une autre coordination que j'ai faite cette fois avec vague d'inspiration. Vous le savez, le set de tampons est revenu dans le catalogue annuel. Donc ça, c'est assez sympa. Donc du coup, bah, on dirait que le lipo, il sort de la mer. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est un côté sympa quand même. Et du coup, je lui ai mis cette fois le masque avec le tuba et puis la technique du masquage. Hein, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà ce que ça donne, cette petite coordination de scène de tampon. Donc les hippos avec vague d'inspiration. Ça vous plaît? Vous trouvez ça sympa? Vraiment tout bête, hein. Voilà. Ça vous donne une petite idée et vous voyez qu'on peut vraiment tout mélanger sans aucun problème. L'hyposurfeur. Ah, c'est pas bête ça, Fafa. Ça sent les vacances. Oh oui. Tu sens que j'en ai besoin là? Allez, j'en ai encore deux à vous montrer. Celle-ci, voilà, encore la technique du masquage. Probablement que si ça vous intéresse, ça pourra tout bêtement être l'objet d'un live. Cette petite cartoonette. Voilà, donc là, tout simplement, ça m'a permis de mettre les petites fleurs, de mettre le petit parapluie. Alors, je ne sais pas si vous le voyez encore une fois, mais avec le Wing of Stella, pour donner encore une petite touche de brillant, vous savez que j'aime ça. Voilà, Madame Hippo qui s'amuse à faire l'équilibriste sur son mari. Hein, imaginons. Voilà, donc vraiment tout simple, cette petite carte, mais vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas, mettez-moi des petits cœurs ou des petits pouces si vous auriez envie de faire ce genre de ce genre de création en live, qu'on découvre certaines techniques avec plaisir. Coucou Martine, comment vas-tu? Ça vous plaît? Oui, oui, c'est très coloré en effet. Oula, plein de cœurs, chouette! Bon bah écoutez, je pense que probablement à mon retour de vacances, ça sera envisagé avec joie. Allez, la dernière. Celle-ci est beaucoup plus travaillée, on va dire. Alors là, il y a un maximum de poinçons que j'ai utilisés. J'ai un énorme trou de mémoire sur le pivoir de gaufrage que j'ai utilisé pour l'arrière. Ah si, c'est en fait le classeur de gaufrage de l'ancienne collection Sable et Mer. Si je mets ma femme en hippo, pas sûr qu'elle apprécie. Jean-Luc. Coucou ma petite Laurence. Je pense qu'on a tous besoin de vacances. Bah, ça, le mot est faible. Jean-Luc, je ne vous connaissais pas cet humour. C'est fort agréable. Et donc, les petites vaguelettes ici, en fait, c'est différents morceaux de papier que j'ai donc colorisés avec des brosses à estompe et qui viennent des découpes bordures. Pareil, les poinçons sont en catalogue annuel. On retrouve la fameuse petite bouée, le masque et le tuba. Les messages up qui viennent du set, pareil, de la sable. Donc voilà, quelque chose de très simple. On trouve la petite barque ici, très sympa. Marie-Dominique, je l'adore celle-là. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, j'espère que vous... Oui, vous apercevez hein, légèrement le gaufrage derrière. C'est vraiment... Ça donne le petit truc en plus. Voilà, donc l'hippo est colorisé avec le brune dune cette fois et non pas avec l'ardoise bourgeoise pour changer. Voilà. Je suis contente que ça vous plaise. Vous avez vu, j'ai été très très inspirée hein, par ces fameux petits hippopotames et je vous ai montré qu'on peut aussi les coordonner avec plein d'autres produits et du coup, il y a un max de choses à faire. Oui, c'est Corail Calypso, ma vie. Et piscine partie, les deux coordonnées. Corail Calypso et piscine partie sur cette carte. Donc amusez-vous, mélangez les produits et tout, c'est vraiment... tout est possible. Coucou Dominique, ils sont trop beaux ces petits hippopotames. Oui, exactement, donc ça les hippopotames. Donc le set de tampons à partir de 60 € d'achat
et le set de poinçons également à partir de 60 euros d'achat. Donc n'hésitez pas. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler la tombola du 1er au 31 juillet, des 80 euros d'achat sur ma boutique en ligne. Vous avez droit à un ticket tombola et je fais gagner la collection complète des petits gnomes, histoire de gnomes, que je vais évidemment vous présenter aujourd'hui aussi, bien sûr. Alors, je mets ça de côté. Alors, je manque un peu de place. Hein. Toc, je vais mettre ça là. Je décale ça. Voilà. Ici, je vous donne un. J'avais fait un petit aperçu donc des tampons ici et de toutes les découpes qui sont dispo. Ça vous donnait une petite idée. Ton inspiration a fait chavirer mon petit cœur pour ses hippos. Bah écoute, Ticia, tant mieux. Donne, je te débarrasse. Elle est folle. Alors, ensuite, nous allons passer maintenant à un lot de papier de la Celebration. Toc, voilà. Une présentation, vous commencez à les connaître, hein, mes présentations comme ceci, mais peut-être que les nouvelles personnes qui nous rejoignent ne les connaissaient pas, donc vous allez les découvrir. Donc il s'agit d'un lot de papier en 30 par 30, d'accord, qui est à la page 7 de votre brochure Celebration. Il est disponible, regardez-moi ça, dès 60 euros d'achat, d'accord, qui est évidemment coordonné avec une collection dans le mini catalogue. Et alors vraiment, ce papier, il est craquant. Il y a plein plein de possibilités et pas uniquement tourné sur Noël, donc c'est vraiment génial. Alors, je vais essayer de zoomer tranquillement pour que vous puissiez voir un peu mieux. Hop. Un de mes deux préférés. Ah, bon, ça c'est cool. Comme j'ai un petit décalage avec mon retour, je vais être un peu plus lente. Dans le catalogue, il n'est pas mis en valeur, je trouve. C'est dans la brochure SAB, mais effectivement, il est juste présenté en lot. Donc, du coup, c'est un petit peu plus délicat. Je ne peux pas vous montrer sur la brochure, mais voilà. Déjà là, vous avez un petit aperçu. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont absolument fans de celui-ci, là où il y a les petits oiseaux. Et vous avez raison, il est incroyable. Les petites maisons aussi sont vraiment très très jolies. Non, non, t'inquiète Fabienne, t'inquiète, t'inquiète, tout va bien. Sur la brochure, il donne pas envie. Et ouais. Bon, bah écoutez, je vais essayer de vous faire changer d'avis. Vous voulez? Alors, je me suis contentée d'utiliser le papier et puis de le coordonner, pas forcément avec ce qui était proposé dans le mini catalogue. Juste avant, je vous donne les troisième et quatrième questions, puisque vous avez entendu ça à Sony. Vous êtes prêts? Allez, prenez votre papier, votre crayon. À Nice, tu les avais pas repérés? Comme quoi, Emma et Christine, c'est vrai que ta présentation est plus visuelle. Bon, bah écoutez, je suis ravie. Si je peux vous faire découvrir un petit peu mieux, c'est super. Les oiseaux sont vraiment à peine visibles sur la brochure, je ne les avais pas vus. Ah, bah oui. Voilà. Du coup, là, tu les vois un petit peu mieux. Toc, et tu les verras encore mieux dans 2 minutes. Allez, on y va. C'est le papier qui. Il m'en manque un bout, Delphine. C'est le papier qui se trouve à la page 7 de la brochure Celebration que tu peux obtenir dès 60 euros d'achat. Allez, on y va. Troisième question. Vous êtes prête? Coucou Laurence, ne t'en fais pas, tout va bien. C'est le papier qui va avec les arbres, les troncs et classeurs d'embossage. Oui, exactement, c'est ça, Delphine. Tout à fait. Alors, la question numéro 3, c'est parti. Ma feuille est un petit peu en décalé, mais je suis avec vous. Dans quel set de tampons peut-on découvrir une machine à écrire? Je voudrais que vous me donniez le nom de ce set et sa page. Question numéro 3, dans quel set de tampons peut-on découvrir une machine à écrire? Et je vous demande son nom et sa page. C'est bon pour vous? Vous avez réussi à noter la question?
Quatrième question. On y va. Si vous vouliez créer une carte de Noël sur le thème du gui, quel produit serait parfait? Vous pouvez m'en citer un ou plusieurs, comme vous voulez, enfin un au minimum quand même, mais plus si vous voulez. Je répète la question numéro 4. Si vous vouliez créer une carte de Noël sur le thème du gui, quel produit serait parfait? C'est bon pour vous? Hop, j'ai remis ma petite marque ici. C'est bon, je vous laisse noter vos questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que je les redis ou est-ce que ça va? Ok, ça a l'air bon. Toc. Alors, on est reparti pour les créations. Ok. Alors, j'ai combiné encore avec différents produits ces fameux papiers. Dans un premier temps, je l'ai coordonné avec un set de tampons, toujours de la Celebration, qui est disponible dès 60 euros d'achat, qui est à la page 9, ok, et qui est donc Stylish Sketches. Donc on a ce joli renard, ce couple de canards, ce petit feuillage. Et du coup, eh bien, je l'ai coordonné avec ce papier et je vous montre tout de suite comment. Voilà. Donc là, ici, vous retrouvez le papier à fleurs qui est ici et son verso, ici, qui est avec les troncs d'arbres. Et tout simplement, j'ai tamponné, hop, le joli petit renard. Voilà, sur cette petite carte. Un petit aimant pour maintenir. Et voilà. Du coup, j'ai coordonné deux produits Celebration des 60 euros sur la même création. Ça permet de mettre en valeur ce petit renard, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont dû se dire qu'est-ce que je vais en faire? Un loup ou un renard? Oh bah tu mets le doute encore, Laurence. On va dire que c'est un renard. Voilà. Des figues? Oui, probablement des figues, en effet. Voilà, vous avez un petit peu. Voilà, un petit peu mieux. Hop, comme ça. Est-ce qu'il faut les réponses dans le gros catalogue ou bien dans le mini qui commence le premier? C'est uniquement des questions posées concernant le mini catalogue. Potentiellement la brochure SAB, mais en tout cas majoritairement sur le mini catalogue à venir. Voilà pour cette première petite carte. Toute simple, hein, vous voyez, mais assez sympa, assez originale. Donc, très bien. Nous avons donc des figues avec leur petit feuillage. Ça donne des informations intéressantes pour la création. Merci Drin Drin et merci Fafa. Deuxième création, hop, avec ce papier ici, que j'ai coordonné avec nos petits écureuils. Vous le savez, c'est pareil, ils sont revenus au catalogue annuel. Donc une slime card, toc toc, avec un petit tag. Et on a notre petit écureuil qui se promène. Voilà. Je trouvais que ça allait parfaitement avec ce petit écureuil trop mignon. On est d'accord. J'ai de nouveau utilisé le set de tampons mot à mot de la SAB. Voilà. Et donc coordonné avec le petit écureuil pouf qui se promène. Voilà. Hop. Du coup, ça vous donne quand même une meilleure idée de ce petit papier très sympa.
Gros bisous, ma Cathy. Je vois les gens parler de toi, mais du coup, je t'ai pas vu. Gros, gros bisous, ma biche. Voilà cette deuxième création. Donc, avec, hein, je vous disais, les petits écureuils qui, eux, sont dans le catalogue annuel. Comme quoi, on peut coordonner. Hein. Mais quand j'ai vu celui-là, je me suis dit que c'était pas possible autrement. On est d'accord. Et pour finir, une dernière création, toujours avec ce papier. Et là, du coup, j'ai utilisé les oiseaux qu'on voit ici. Astuce, le mécanisme, ça sera un live, ma biche. Eh oui. Donc, je disais les petits oiseaux. Et donc, voilà la carte que je vous propose. Et je l'ai évidemment donc coordonnée avec le bel oiseau. Toc, qui est également disponible, celui-là, dans le futur mini que vous allez bientôt découvrir. Donc, vous avez le magnifique papier avec les petits oiseaux. Et du coup, j'ai utilisé ici l'oiseau ici. Oui, 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 Martine. Il y a plein de cartes, plein de créations qui sont destinées à être des futurs lives. Ne vous inquiétez pas. Coucou, Lucie. Donc voilà, vous voyez peut-être un peu mieux donc ce joli papier. J'ai essayé de réutiliser des couleurs à peu près similaires. Je ne suis pas parfaitement satisfaite de ma colorisation, je suis honnête avec vous. Mais bon, ça ressort quand même pas trop mal. Et du coup, j'ai utilisé le classeur de gaufrage Eucalyptus. Bon, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je suis amoureuse de ces oiseaux, c'est vrai qu'ils sont beaux. Vous voyez peut-être pas forcément très bien, mais... Ah, si, c'est mieux. Le classeur de gaufrage Eucalyptus. Voilà, avec ce beau petit oiseau. Et ce lot ici, eh bien, on a la chance d'avoir un set de poinçons coordonnés. Ça, c'est juste trop bien, parce que du coup, on peut notamment découper le contour de l'oiseau. Ah, ça, c'était un autre test. Et lui mettre un arrière-plan. Donc ça, c'est la découpe de l'arrière-plan avec la découpe de la branche. Et on a aussi donc la découpe de l'oiseau et des très belles feuilles que l'on peut ajouter. Vous avez vu comme c'est beau? Il y a tellement de possibilités, je vous jure. C'est incroyable. C'est juste magique. Je vais remettre ça. Donc ça, c'est pareil, c'est un lot qui sera disponible dès vendredi matin sur le mini catalogue. Tu n'avais pas vu le poinçon du fond, mais il est trop beau, effectivement. Il y a de quoi vraiment faire des créations incroyables avec. Voilà donc pour la présentation de ce papier Anneau d'amour, gratuit, dès 60 euros d'achat, au format 30-30. Et il est donc page 7 de votre brochure. J'espère que vous l'avez un petit peu mieux découvert, ce papier, et que ça vous inspire un petit peu plus que ce que vous avez vu directement sur la brochure. Je vous remontre ces trois petites créations, donc avec l'oiseau, avec l'écureuil qui se promène, et avec le renard ou loup. Voilà, la petite carte diamant ici, avec tous ces beaux papiers. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Il faut être imaginatif, c'est pas mon fort. Laurence, tu dis des bêtises. Il y a les anneaux qui se découpent avec le plioir hybride. Oui, oui, exactement. Les anneaux ici, mais je ne l'ai pas reçu. Donc, vous avez sur le mini catalogue, ici, un plioir de gaufrage et des poinçons qui servent à découper les rondins ici, avec également un set de tampons. Donc vous pouvez faire plein de choses, donc n'hésitez pas à feuilleter votre catalogue. Ok Delphine, pas de soucis ma belle, plein de gros bisous et bon courage. Désolée pour le doute entre le loup et le renard. Tout va bien Laurence, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Voilà pour ce papier, j'espère vraiment que ça y est, vous l'avez vu sous un meilleur jour. En tout cas, vous allez, je suis sûre que vous verrez, vous serez sûr que vous allez pouvoir faire plein d'autres choses. J'ai aperçu tes petites choses que tu proposes, et ben elles sont top. Merci beaucoup Titia. Ok, alors je mets ça de côté et nous allons pouvoir continuer. Toc.
Je fais un petit peu de place et je vais maintenant vous montrer un autre, enfin deux autres produits en fait, pareil, qui sont de la Celebration. Excusez-moi, hein, je rattrape tout mon bazar. Voilà, voilà. Ok, alors. Il s'agit cette fois d'un lot que vous pouvez obtenir dès 120 euros d'achat. Et en fait, cette fois, c'est un lot de papier et un set de tampons. Voici de quoi il s'agit. Un monde merveilleux. Je l'adore. Merci Rachel. J'en sais rien. Je t'avoue que je ne sais pas, Rachel. Tadam! Ok. Alors, voilà un des derniers produits dispo pendant la SAP. Je vous rappelle, n'oubliez pas, ça ne dure que 2 mois. 2 mois. Et celui-là va aussi faire fureur autant que les hippopotames, ça c'est certain. Je me suis un petit peu lâchée dans les créations. Ça arrive, hein, parfois on est plus inspiré à un certain moment. Donc ici, recto verso, comme à chaque fois, on est sur du papier 30-30, des 120 euros. Vous trouverez donc ce lot à la page 14 de votre brochure Celebration. Et donc accompagné de ce magnifique set de tampons. Bon, vous allez me dire, il ne paye pas de mine comme ça, mais je vous assure qu'il est magnifique. Il est splendide. Oh, ma deuxième préférée. Ça, c'est parfait. Evelyne, je suis super désolée que ça fonctionne pas bien. Je t'embrasse très fort. Merci d'avoir tenu bon jusque-là, en tout cas. Hop. Voilà, les tampons. Ce papier, il est juste incroyable. Ici, vous ne voyez pas très très bien, mais en fait, il y a plein de grosses fleurs en fait que vous pouvez découper à la main très facilement parce que les contours sont très basiques en fait. Donc, un petit peu de détourage et vraiment, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait possible. Il est incroyable. Plein de couleurs adaptées et coordonnées en plus, donc on peut s'éclater. Est-ce que celui-là, vous l'aviez repéré? Je suis sûre que oui. Je suis sûre que vous l'aviez repéré, celui-là. Alors, on y va. Dans un premier temps, j'ai utilisé un papier pour faire une découpe de petites boîtes. Vous le savez, vous la connaissez. Ça, c'est dans le catalogue annuel. La découpe, donc, de... j'ai oublié le nom. De ce genre de boîte. Eh bien, j'ai un gros trou de mémoire. Je ne sais plus. Ça porte un nom. Papillote. Oui. Merci. Au secours. Heureusement que vous êtes là. Donc, on a un set de poinçons qui permet de découper ces fameuses petites boîtes. Vitesse grand V. Vraiment un vrai bonheur. Hein. Super simple. Ça rend super bien. Et du coup, j'ai utilisé ce fameux papier avec les petites étiquettes qui sont également dans ce set de poinçons coordonnées avec le ruban Oasis d'Orchidée. Merci à toutes pour vos réponses et votre aide si précieuse. Je suis confuse. Donc voilà pour cette petite création première. J'ai aussi utilisé l'autre poinçon. Boîte d'oreiller. Bah, du coup, ça donne super bien aussi. Regardez. Voilà, une petite boîte toute simple avec le nouveau ruban souffle d'écume qui fait partie d'une collection que je vais vous présenter après. Vous avez vu comme c'est mignon? C'est super joli, ça rend trop bien. On a les beaux petits détails ici. Voilà. Elsa, eh bien le ruban souffle d'écume, il est dans le mini catalogue et il est avec une collection que je vais te montrer tout à l'heure. Elles seront sur ma table de Noël à la cantine pour mes loulous. Génial, tu vas voir, ils vont adorer.
Oui, mais c'est pas grave, Laurence. Tu vois, il y a toujours des choses positives derrière. Ces poinçons sont absolument magiques. Ça va tout seul. Voilà. L'autre ruban, hein, celui-là, c'est Oasis d'Orchidée. Il est dans la rubrique ruban du catalogue annuel. Je vais essayer de te retrouver la page. Je te la donnerai après. Dac. C'est les nouveaux incolores, en fait, tout simplement. Pardon, du coup, je vous sors tout du champ. Voilà. Alors, ensuite, j'ai refait une des créations que j'avais faite il n'y a pas très longtemps dans l'inspiration du week-end. Celle-ci, la petite carte pochette. Pareil, hein, j'ai utilisé un maximum de papier design. Et du coup, la fameuse rose qui est en tampon. Pardon. Avec toujours hein, les formes à la mode que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis là, tamponné ici directement sur le tampon avec les fameux doigts éponge. Voilà ce que ça donne. Donc toujours la petite carte pochette que l'on glisse à l'intérieur. Donc c'était l'inspiration du week-end. Il y a, je ne sais plus, 15 jours, je crois. Voilà, tout simplement. Une autre, toute simple. Alors là, en fait, j'ai découpé pouf le papier et point barre. Et le poinçon enveloppe, il est sur le grand catalogue. Oui, il est sur le grand catalogue, ma bichette. J'ai pas la référence avec moi, mais je te la donnerai. Il y a plus de problème. Je ne sais plus où donner de la tête. Tu m'étonnes, Brenwyn. On va tout noter après. On va tout dire après pour les références. Mais oui, il faut regarder dans la section poinçons du catalogue annuel à la fin et vous allez retrouver tous les poinçons qui sont disponibles. Et là, du coup, vous les trouverez facilement. Donc voilà, ici, vous remarquerez, j'ai un petit peu arrondi l'étiquette pour changer un peu avec les petites fleurs dorées et puis les tamponnages toujours avec les doigts éponge, tout simplement directement sur le tampon. Exactement, Laurence, t'as tout compris. Voilà pour cette deuxième carte. Ici, bah justement, les poinçons enveloppes que j'ai utilisés directement en posant sur ma carte. Voilà. Et donc, je vous disais tout à l'heure que le papier, vous pouviez découper donc les fleurs directement sur la grande feuille en 30-30. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Je les ai détourées au ciseau. Et du coup, toutes les grandes, comme ça, vous pourrez en faire autant sans aucun problème. Hop, voilà. Donc j'ai rajouté un petit porte-clés ange qui me restait de mes catalogues, tout simplement. Donc on a la petite enveloppe, la grosse fleur ici, que j'ai un petit peu améliorée avec le Wink of Stella. Gros bisous ma petite Elsa, t'inquiète pas, il y a le replay. Merci à toutes d'avoir noté les références, c'est adorable. Ce sont des distinctives. Non, c'est pas précisé en fait. D'habitude, ils le marquent, mais apparemment pas. En tout cas, ils n'ont pas marqué sur le set de tampons. Je vais regarder sur la brochure directement, mais non, c'est pas des distinctives. Voilà, ils sont comme ça. Mais non, non, c'en est pas. Mais on dirait en fait, en vrai. Donc voilà, encore hein, très simple, vraiment très simple, mais du coup, ça donne super bien. Et là encore, j'ai découpé la rose dans le papier design directement. Est-ce que ça vous plaît? On dirait, vu le rendu, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ils sont au top. Suite en replay. Et gros bisous Jean-Luc, et attention, pas de bêtises avec Chantal à vouloir la mettre en tutu sur votre tête. C'est pas raisonnable. Soyez prudents! Allez, on y va pour les questions 5 et 6 avant de vous montrer les deux dernières créations pour ce lot incroyable. D'accord? Coucou Nathalie, bienvenue! Alors, on y va, on va démarrer la question 5. C'est parti, alors attendez, je vais juste faire une modif comme ça. Tac, que vous me voyez un petit peu mieux. Alors. Question numéro 5. Le charme l'as-tu trouvé sur Amazon, tout simplement. Question numéro 5. On y va.
Si je fais comme la dernière fois, j'ai oublié d'envoyer mes réponses. Mais non, tu vas y penser. Quelle est la collection qui met en vedette des Pères Noël comme conducteurs de train? Facile. Quelle est la collection qui met en vedette des Pères Noël comme conducteurs de train? On est sur la question numéro 5. J'ai le prochain lien. Alors là, à l'intravers, j'avais absolument pas vu mes poissons à enveloppe à offrir. Ah, je sens qu'il va faire partie de ta prochaine commande, Laurence. N'est-ce pas, Drindrin? Donc, je passe à la question 6 tout de suite. Dans quel set de tampons trouve-t-on un bonhomme en pain d'épices? Et là, par contre, ça va être un petit peu plus ardu. Dans quel set de tampons trouve-t-on un bonhomme en pain d'épices? Évidemment, je veux le nom du set de tampons complet. Donc, la collection où il y a un Père Noël comme conducteur de train. Et la question numéro 6, dans quel set de tampons trouve-t-on un bonhomme en pain d'épices? Nathalie, surtout, on ne donne pas les réponses, s'il te plaît, en commentaire. C'est une chasse au trésor pour laquelle il y a un cadeau à gagner. Donc, il faut m'envoyer les réponses par mail. N'est-ce pas? Je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent à l'instant, la chasse au trésor, voilà, il y a le kit d'outils embossage à gagner avec en plus le pad d'encre Versamark, puisqu'il ne fait pas partie du kit d'embossage tel qu'il est sur le catalogue. Donc j'ajoute moi le pad d'encre Versamark et vous avez d'aujourd'hui jusqu'au 4 juillet 20h. Pour m'envoyer vos réponses par mail, harmoniescrap@harmoniescrap.fr, et je ferai donc un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Pas de panique, Nathalie, tout va bien. Ouais, Drindrin, t'as raison. Je termine avec les deux dernières créations que j'ai à vous présenter avec cette incroyable lot, un monde merveilleux. Là, on part sur des créations en 3D. Alors, c'est parti. La première, une carte en H. Vous voyez? Et hop! La voici. T'inquiète pas, Nathalie, tout va bien. Voilà. Donc, une belle mise en valeur du papier et en plus du set de tampons que je vais vous zoomer. Voilà. Pareil, colorisation au doigt à éponge. Toc. Voilà. Alors, une carte tour ou une carte en H ou comme on veut. Voilà. Mais en tout cas, une belle mise en valeur du papier. Là, vraiment, on le voit vraiment très très bien. Donc, c'est très sympa. Fruit des bois ici que j'utilise très très rarement. Du coup, c'est la bonne occasion d'utiliser. Et pour finir, avec ce papier. Ah mais non, suis-je bête? J'ai oublié de vous montrer une carte sur la collection de papier précédente. Eh bien, je vais vous la montrer maintenant. On était sur Anneau d'amour. J'ai pas dit tutu. Vu du dessus, ça fait 4 soliflores. Oui, pourquoi pas? Mais oui, vous inquiétez pas, ça sera aussi l'objet d'un live. Pas d'inquiétude. C'est assez original, je trouve. Voilà. Et la création originale n'est pas de moi. Hein. Attention, que les choses soient claires. Voilà. Et donc, je fais un petit retour en arrière et je vous montre une petite carte que j'avais faite aussi pour le papier Anneau d'amour. Hop, je suis en train de me rendre compte que je suis pas au bon endroit. Elle se plie, elle se met à plat, oui. Mais on ne peut pas l'envoyer. Et pourquoi on ne pourrait pas l'envoyer? Faut juste une enveloppe un petit peu plus grande. Mais du coup, oui, elle se met à plat sans problème. Toc. Alors, évidemment, pas dans une enveloppe basique, hein, on est bien d'accord. Voilà.
Mais soit on fabrique soi-même l'enveloppe, soit on en prend une dans le commerce qui est un petit peu plus grande et il n'y a aucun souci. Voilà. Mais oui, elle se met bien à plat, je vous remonte comme ça, toc. Voilà. Pas de problème. Ça va, vous êtes rassurés? Chouette. Alors, et donc, j'en viens à l'autre carte, voilà, pour la collection Anneaux d'amour, le papier avec donc les petites maisonnettes. Voilà. Et c'était donc une carte encore en 3D cette fois. Toc. Ça vous plaît? Dites-moi, est-ce qu'elle vous plaît? Ah, Tissi, elle aime bien. Sabine, elle aime bien aussi. Chouette. Voilà. Vous avez vu, hein, avec le papier sable, même avec du papier gratuit, on peut faire des trucs de dingue. Voilà. Oui, il y aura aussi, vous inquiétez pas. Ça fera partie des futurs tutoriels, des futurs lives de l'été à mon retour de vacances. Donc, pas d'inquiétude. Les trucs les plus sympas, je vous les proposerai évidemment, pas de souci. Merci beaucoup. Oui, elle se plie aussi. Elle se met aussi à plat. C'est pour ranger les cartouches pour mon voisin. Fafa, tu me fais délirer. Voilà. Vous avez vu, on peut vraiment faire des trucs de dingue. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ces fameux produits extraordinaires de la Celebration. Vous allez pouvoir vous éclater et je vous prouve, et quand je vois vos réactions, qu'il est tout à fait possible de faire de très belles créations avec ces produits qu'on a tendance à oublier en fait et auxquels on ne donne plus suffisamment d'importance. Voilà. Des ciseaux, on est passé aux cartouches. Au secours, Fabienne la killeuse. Voilà, on est pas mal. Il me reste à vous montrer encore quelques trucs quand même. J'en ai des milliers de choses à vous montrer, mais je pense que ça va être trop court. Mais je vais quand même essayer de vous en montrer encore un maximum. Pas d'inquiétude. Et puis il y a aussi des choses dont je ne vous ai pas encore parlé parce que vous le savez, en général, pendant la Celebration, il y a des cadeaux qui sont offerts aux nouvelles démonstratrices. Donc, pour les personnes qui sont en train d'hésiter et qui ont par exemple envie d'avoir une activité secondaire, devenir démo Stampin' Up peut être la bonne solution. Donc, je vous propose dès le 1er juillet de rejoindre mon équipe. Et avec ça, eh bien, Stampin' Up va vous proposer de vous offrir un agenda absolument incroyablement magnifique. Oui, j'ai mis beaucoup de superlatifs, mais c'est fait exprès et c'est justifié. Est-ce que vous êtes prête? Lorsque vous allez rejoindre mon équipe des Stamp Lovers du 1er juillet au 31 août, Stampin' Up va vous offrir ça. Mais il n'y a pas que ça. Regardez-le comme il est beau. On est en simili-cuir. Il est incroyable. Bon, évidemment, les petits sacs à main, on oublie. Pas de souci, Jocelyne. Bel après-midi. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'oubliez pas de regarder le replay pour avoir la suite des questions de la chasse au trésor. Bel après-midi. Attention, sortez les lunettes de soleil. Ouais, il déchire. Vraiment. On va lui faire remballer sa tondeuse, tu vas voir. Non, on ne peut pas l'acheter. Véro, oui, tu peux. Mais t'as intérêt à te dépêcher, on en reparle après le live. Sinon, tu m'étonnes que t'es fatiguée. Oui, Marie-Christine. Vive le maquillage et les grandes lumières. Jusqu'à demain, Laurence, quand tu es démo. Tu peux l'acheter jusqu'à demain.
Donc, quand vous allez rejoindre l'équipe des Stamp Lovers, Stampin' Up! Vous offrira cet incroyable agenda qui est hyper complet. Vous avez des feuillets à partir du mois de juillet jusqu'à décembre 2023 avec un max d'intercalaires. Avec, là on a les objectifs du mois, on peut écrire plein de petites notes, marquer les programmes de la semaine. Estampiller Stampin' Up, s'il vous plaît mesdames. Attention, ça rigole pas. Il est incroyable. J'ai pas encore commencé à le compléter parce que je voulais quand même pouvoir vous le présenter avant d'avoir mis tout mon bazar dessus, n'est-ce pas? Voilà. Il est accompagné de magnifiques stickers, toujours estampillés Stampin' Up. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais on a des petits ciseaux, on a des appareils photo, des avions, des petits gâteaux pour les anniversaires, les rappels, les flashs, des onglets. Tout ça, c'est autocollant. Hop. Et vous avez aussi, pareil, des petits mots, les commandes, urgents, rendez-vous, créer des souvenirs. Enfin bref, il y a tout un tas de petits trucs qui sont géniaux. Je vous jure, on a trop... je lutte hein, pour ne pas jouer avec depuis un moment. Je me suis dit non, je patiente avant de le personnaliser. Tout un tas d'intercalaires aussi beaux les uns que les autres. Voilà, que vous pouvez ajouter. Hop, vous voyez, il est absolument complet, on a les plannings, on a vraiment tout jusqu'à décembre 2023. Mais il n'y a pas que l'agenda, je vous l'ai dit, attention. Il y a aussi, alors je les ai enlevés parce qu'évidemment je ne mets pas tout, hein, mais voilà, il y a vraiment tous les feuillets jusqu'à décembre 2023. Hop, on a aussi trois petits cahiers. Donc ici, avec des petits points, voilà, pour marquer des souvenirs, des tutos, etc., des petites lignes, toujours estampillé Stampin' Up, des pages blanches pour dessiner si on a envie, voilà, et évidemment, un marque-page, Stampin' Up, et pour finir, le clou du spectacle. Le set de tampons. C'est pour ça que je me retiens et que j'ai vraiment très 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 envie de jouer avec. Et bien là, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour tamponner et personnaliser votre agenda. Regardez ça. Des petites flèches, des hashtags, des petits cœurs, notes, affaires, objectifs pour ta commande, programme, merci, cocher les cases avec des petites cases à cocher, des projets, des petites banderoles. Sérieusement, il est énorme. Laurence, sur le groupe de l'équipe, j'avais noté la référence dont je ne me souviens absolument plus pour l'instant, mais je l'avais mis sur le groupe de l'équipe. Va jeter un œil. C'est magnifique et du coup, on peut s'en servir au quotidien. C'est vraiment génial. Un magnifique planeur, vraiment. Il est énorme. Et du coup, bon alors si vous avez l'habitude de la taille des sets de tampons, vous voyez, vous vous rendez compte un peu de l'agenda. Il est incroyable. Il est incroyable. C'est le cadeau pour être démo. Oui, Sabine, c'est ça. Pendant la Celebration, tout ça, là, les cahiers, l'agenda, les feuillets, tout ça, les autocollants aussi, les intercalaires, tout ça, c'est offert aux démos qui rejoignent Stampin' Up pendant le mois de juillet et le mois d'août. C'est énorme, c'est énorme, c'est juste magnifique. Donc voilà, il fallait quand même que je vous présente tout ça. Et donc bientôt, très bientôt, je vais pouvoir maintenant le compléter, le remplir, mettre mes petites notes, ma petite personnalisation. J'ai vraiment hâte de le faire. Là, il me nargue depuis quelques temps. Il est trop beau. Alors... ah oui, dans les cadeaux Celebration, il y a aussi un lot, pardon, il y a un lot d'enveloppes et de cartes, comme pour les kits, vous savez, qui est coordonné avec une collection du mini catalogue, que je vais vous montrer. Alors,
On va faire les choses dans l'ordre, n'est-ce pas? En l'occurrence, il s'agit de ça. Tu pourras maintenant jouer avec... Ouais, c'est ça! J'ai hâte. On croise les doigts, Dream Dream. Voilà, vous avez un lot. Donc, des enveloppes juste magnifiques. Par contre, j'ai juste un doute. Trou de mémoire, pardon. Oui, tout ça, c'est des 60 euros d'achat. Donc, tout un lot de cartes et enveloppes coordonnées à la collection Jour Splendide du mini-catalogue. Donc, on a tout un tas de magnifiques enveloppes qui sont trop belles et des bases de cartes. Voilà, ici, sous l'écume, et puis c'est une partie. Vous avez vu? Trop beau, hein? Donc, tout ce lot-là, il est gratuit dès 60 euros d'achat et donc coordonné à la collection Jour sans Splendide. 20 cartes et 20 enveloppes. Merci, Madrine. Coucou, Patricia! Et ben du coup, cette fameuse collection Jour Splendide, je vais vous la présenter au travers de quelques créations qui nous ont été proposées lors d'un événement la semaine dernière, Stampin' Up. Et vous allez voir. Alors, voici le papier de la collection Jour Splendide que vous allez trouver à la page 65 de votre mini-catalogue, qui est magnifique, hippipipopo. Tu me fais rire, Nathalie. Hop, vous avez vu comme ça brille? Oui, vraiment, ça brille beaucoup. Voilà ce magnifique papier. Nous sommes sur des couleurs, pétales roses sous l'écume, piscine partie, fraisier en fleurs, sable du Sahara et cuivre. Il est incroyable. Accompagné, évidemment, d'un set de tampons, pensée splendide, qui est magique aussi, vraiment trop beau. Et des découpes. Donc là, on a vraiment, encore une fois, une collection complète. Et c'est de cette collection que vient le fameux ruban sous l'écume dont nous parlions tout à l'heure, que j'ai utilisé, notamment pour cette petite boîte sous l'écume qui est vraiment très très jolie. Et du coup, ça va me permettre de vous montrer quelques cartes. Donc le ruban, le voici. Hop! Très joli, tout fin, vraiment très agréable à travailler. Il est tout doux et des jolies breloques cuivrées. Toc, les futures questions. Vous voyez les petites breloques ici qui sont incroyables. On peut imaginer en faire plein, 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 plein de choses. Voilà, donc c'est à cette collection-là que correspondent le lot de cartes et enveloppes dans la Celebration. Ça vous donne une meilleure idée. Dans les créations qui nous ont été proposées donc pour Creativity Now, l'événement 100% créatif de Stampin' Up, et c'était une première cette année, voici les cartes qu'on nous a proposées de faire. Donc, voici la première. Donc, on a utilisé le papier, on a utilisé justement les blends, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les hippopotames. On a aussi le petit tampon abeille hein, qui est là sur le set. Okay. Des belles découpes et des beaux messages. Ici, les découpes avec le poinçon arc de cercle, hop, qui est ici, découpé dans les différents papiers, et l'arrière est fait avec de l'embossage à chaud. Vraiment très jolie cette collection. Toujours les découpes avec le demi-cercle, avec le tamponnage en arrière-plan, pardon. La jolie petite breloque ici, poinçon forme à la mode, le beau ruban sous l'écume. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Et pour finir, voilà, avec un petit peu de colorisation légère, soit au doigt éponge, soit la brosse à estompe en blanc, et puis toutes les découpes dispo, vraiment magnifiques dans différentes couleurs. C'est vraiment trop beau.
Est-ce que vous êtes toujours là? Je ne vois plus vos commentaires apparaître, donc n'hésitez pas à vous manifester. Pourquoi pas partager la vidéo si vous passez un bon moment en ma compagnie et un petit coucou pour me dire que vous êtes encore là et que vous êtes toujours avec moi. Donc voilà pour la collection Jour Splendide. Ah, j'oubliais, on avait fait un joli sac aussi. Regardez. Un joli sac cadeau. Ah, chouette. Je ne vous voyais plus. Super, vous êtes là. Chouette, 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 chouette. Merci beaucoup. Coup de cœur pour le papier. Ouais, Sabine, il est vraiment magnifique. Cette collection est vraiment superbe. Oui, Anma, je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment plein, plein de choses à faire et à découvrir. Donc voilà ce qu'on nous a proposé pour cet événement Creativity Now. C'était vraiment hyper sympa à réaliser avec nos copines démo. C'était cool, cool, cool. Alors, je vais vous montrer le fameux kit d'embossage que je vous propose de gagner pour la chasse au trésor. D'ailleurs, ça me fait penser, ça a dû biper et j'ai oublié de vous les donner. Ça a bipé, hein? Je suis perdue. Oui. Alors, avant de passer à la suite, je vais donc vous donner les questions 7 et 8. Je vous avais dit hein, que je risquais de perdre de fil. Alors, c'est reparti. Un événement accessible. Oui, exactement. Creativity Now, c'est réservé donc aux démonstratrices. N'hésitez pas pour les prochains événements. Alors, on y va. Vous êtes prêts pour les questions suivantes? Donc, la question numéro 7. Vous êtes prêts? Question numéro 7. Trop facile. Je m'appelle Bigfoot ou l'abominable homme des neiges. Dans quel set de tampons me trouve-t-on? Je vous demande le nom et la page. Je m'appelle Bigfoot ou l'abominable homme des neiges. Dans quel set de tampons me trouve-t-on? Je vous demande le nom et la page. Attention, on ne triche pas. C'était une super expérience, j'ai adoré cette journée. Ouais, je suis tout à fait d'accord, Laurence, c'était vraiment très sympa. Tu t'appelles comme ça. Je sais même pas quoi dire, Drinline. Je te jure, elle est folle. Question numéro 8. Attention, j'existe en trois rouleaux et je brille. Qui suis-je? J'existe en trois rouleaux et je brille. Qui suis-je? Non, Nathalie, tu ne donnes pas la réponse. Tu la gardes pour toi, juste pour toi pour l'instant. Et après, tu m'envoies toutes tes réponses. Excellent, Nathalie. J'existe en trois rouleaux et je brille. Qui suis-je? Ça, c'était la question numéro 8. C'est bon. Tout va bien. C'est OK pour vous? Alors, on continue. Je vous présente. Non, alors, clairement, voilà. Bah, si, ça, je peux le laisser. Ça, c'est le kit d'outils que je vous propose de gagner justement pour cette chasse au trésor. Donc, vous avez le fameux petit coussin qui donc nous évite d'avoir cette électricité statique qui récupère tous nos petits bouts de... Non, tu marques juste le numéro, Titia, t'embête pas. La petite poudre qui se disperse partout sur le papier, là, avec ça... On est tranquille, on le tamponne sur le papier, voilà, avant de mettre notre tamponnage et notre poudre, et du coup, on est tranquille. Donc ça, c'est un précieux outil qu'il faut absolument avoir pour l'embossage à chaud. Il nous manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, moi, j'avais eu la chance d'avoir le mien et de l'avoir toujours sous la main. Et je suis ravie d'avoir eu le nouveau. Oui, le petit coussin magique, on rêvait qu'il revienne, c'est parfait.
cette petite plaque qui est suffisamment grande et parfaite pour pouvoir reverser donc la poudre directement dans nos petits pots sans en fiche partout et sans trop en perdre. Donc ça c'est idéal hein, quand on veut remettre notre poudre là-dedans, vraiment, on est vraiment contente. J'étais arrivée après les premières questions. Patricia, il n'y a pas de souci, il y a le replay. Donc, tu pourras revoir le début et pouvoir découvrir toutes les premières questions. En tout, il y en aura 12. Donc, t'inquiète pas, juste revoir le début. Il y a le petit pinceau qui permet de retirer les petites particules de poudre rebelles qui seraient restées sur le papier. Voilà, donc un joli pinceau tout simple. Et la petite pince pour tenir sans problème. Bon alors là carrément, hein, j'y vais avec le rouleau de ruban, mais tenir le papier, d'accord, lorsqu'on va vouloir chauffer avec le pistolet, chauffer notre poudre, du coup la pince est relativement grande et très solide, du coup moins de risque de se brûler avec le pistolet chauffant. Donc pour celle ou celui d'ailleurs qui remportera la chasse au trésor, eh bien vous aurez tout ceci et moi je vous rajoute aussi ici, oui carrément le rouleau Fabienne, t'as vu, le pad Versamark pour votre embossage à chaud. Si vous ne l'avez pas encore, eh bien il vous restera plus qu'à investir dans le pistolet chauffant et vous serez au top du top pour l'embossage à chaud et pour éviter de trembler avec les fous rires. Ça je suis bien d'accord Nathalie. Voilà, ça c'est ce que je vous propose de gagner pour la chasse au trésor. Donc, vous avez jusqu'au 4 juillet 20h pour m'envoyer toutes vos réponses par mail harmoniescrap@harmoniescrap.fr. Ok ? Ça a l'air de vous plaire, ça c'est top. Vous êtes tous disqualifiés. Quatre ? T'as raison. 4. La question numéro 8. J'existe en 4 rouleaux et je brille, qui suis-je? Merci beaucoup, Drin Drin. Encore, j'existe en 4 rouleaux et je brille, qui suis-je? On va y arriver. Hop, voilà, j'attrape ça qui est encore plus loin de moi. Je voulais vous montrer aussi, exact, Cécilia, vous avez raison. Oui, 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 voilà, ça y est, j'ai redit, tout va bien. Dans le mini-catalogue, nous avons un kit qui a une certaine importance parce que... bravo Nathalie. Parce que, tout simplement, il a une utilité. Hormis le fait, bien sûr, que l'on se fasse plaisir, que l'on puisse faire des créations, ça c'est indéniable, on est d'accord. Mais si vous investissez dans ce kit, eh bien sachez que 3 euros seront reversés à une association pour lutter contre la faim. Donc ça c'est assez important. Dans le monde actuel, qu'il y ait encore des gens qui meurent de faim, c'est anormal. Donc, si vous investissez dans ce kit, eh bien, 3 euros seront reversés à une association qui lutte contre la faim. Et en plus, il est juste incroyablement beau. Donc, ça serait dommage de s'en priver. C'est devant mon nez. Tout est devant ton nez, Nathalie. C'est pas possible. Ça suffit. Alors, voilà ce fameux kit. Parce que du coup, dans le catalogue, vous ne verrez peut-être pas forcément très bien, mais voilà. Vous avez un petit sac isotherme. Enfin, petit, tout est relatif, hein, parce que quand même, vous voyez, pas mal. Hein. Estampillé. Stampin' Up, bien sûr. Avec des fleurs juste magnifiques. En tissu. Avec notre logo. Voilà. La petite anse. Donc, pour cet été, c'est parfait. Et voilà l'intérieur. Donc, vous voyez, le contenant quand même est assez important. Bien sûr, il n'y a pas... Je vous ai parlé de création, hein, donc il n'y a pas que le sac isotherme. On est d'accord.
c'est accompagné, hop, d'un ensemble pour réaliser des jolies cartes. J'ai l'impression que tout a bougé. Voilà. Voilà les fameuses cartes que vous allez pouvoir réaliser. C'est un kit super complet. Comme d'habitude, vous le savez, hein, il y a plein d'explications. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Donc déjà, on a des jolies petites perles. Comme ceci. J'espère que le zoom se fait bien. On est fichu. Des grands dimensionnels, les mousses 3D. Vous le savez, vous en avez l'habitude. Nous avons des enveloppes, évidemment, toujours colorées, hein, évidemment. Merci, ma petite Joëlle. Plein de gros bisous. Magnifique, on est d'accord. Accompagné, évidemment, de bases de cartes qui, à la différence de d'habitude, en fait, sont embossées. Donc, ici, un embossage feuillage. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Pour vous, je vais prendre un petit peu de temps pour que vous puissiez voir. Est-ce que le zoom va bien vouloir? Yes. Voilà. Donc, il y a une moitié de carte qui est déjà embossée. Voilà. Donc, absolument magnifique. Super, vous voyez bien. Donc, ça, c'est un premier jeu de base de cartes. Hop, le deuxième. Oui, le zoom, il est sympa aujourd'hui. Je pense que c'est avec ma nouvelle lumière, ça fonctionne un peu mieux. Voilà, ça fait un peu quadrillage ou losange. Là, il va un petit peu moins. Veux-tu venir ici? Si je mets mon doigt, hop. Voilà. Et la troisième version ressemble un petit peu au petit verre de gaufrage quadrilobe qui est dans le catalogue annuel. Voilà. C'est vraiment très mignon. Et du coup, on peut se permettre de faire plein de choses sympas avec. Sauf si je ne l'ai pas précisé. Sauf si je l'ai précisé, pardon, ma routine. Il faut le c'est pas la peine de mettre le numéro et les pages. Sauf si je l'ai demandé. Ensuite, vous avez des étiquettes. Alors, tac, tac, tac. Dans différentes langues, mais notamment je vais vous montrer en français, juste pour dire bonjour, tu comptes plus que tu crois, quelle chance de te connaître. Voilà, c'est absolument trop mignon, vraiment trop mignon. Et du coup, si jamais, pour éviter la perte, vous pouvez toujours utiliser les étiquettes qui ne sont pas de votre langue maternelle en les retournant. Du coup, vous avez toujours la forme et vous pouvez tamponner directement dessus. Donc, zéro perte. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et vous allez trouver aussi des découpes, des planches. Donc là, on a trois planches de fleurs et de feuillages qui, pareil, sont vraiment très jolies et très colorées. Voilà, très sympa. Et pour finir, nous avons, alors toujours bien sûr, hein, les petits points de colle. Tac, tac, tac. Et des étiquettes qui, celles-ci, je crois qu'il y en a deux, sont pour leur part autocollantes. Relativement épaisses, hein, donc elles sont très solides et elles sont autocollantes. Donc, nickel, on peut les emporter en voyage sans problème. Voilà, donc ce kit Nourrir l'amitié a une importance particulière, je vous rappelle, puisque à l'achat donc de ce kit, eh bien, 3 euros seront reversés à une association pour lutter contre la pénurie alimentaire. Donc voilà, ça valait le coup de le souligner. Bonjour Odile, comment ça va? Bienvenue. Voilà pour ce petit kit incroyablement sympa. Toc,
Il y a encore tellement de choses que j'avais envie de vous montrer, mais j'aurai jamais le temps de tout vous montrer. C'est un truc de fou! Mais ce mini-catalogue, il est quand même assez incroyablement magnifique. Je mets beaucoup de superlatifs aujourd'hui. J'en suis désolée. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Mais c'est aussi pour vous faire part de mon grand enthousiasme et de ma joie et de cette passion et de tous ces produits qui sont tous plus beaux les uns que les autres et que j'ai vraiment envie de partager avec vous, que vous puissiez vous aussi en prendre plein les yeux. Parce que moi, ça fait quand même quelques semaines maintenant que je les ai sous les yeux, que j'ai pu commencer à travailler avec certains de ces produits ou rêver d'en faire plein de choses. Et du coup, voilà, j'ai envie de vous transmettre ça, j'ai envie de vous les montrer. Et du coup, voilà, du coup, je m'emballe un peu, donc on va se calmer. Et je vais quand même vous montrer la collection que je vous propose de gagner grâce à la tombola qui aura lieu donc du 1er juillet au 31 juillet. Un ticket, tous les 80 euros d'achat. Donc en plus, vous avez un ticket pour la tombola. À 60 euros, vous avez droit à un cadeau sable. Donc du coup, voilà, mois de juillet, c'est la fête. Alors. Elle est là. Voilà. C'est parti pour vous faire découvrir donc la collection Histoire de Gnome. Tadam! Je sais que vous l'avez déjà repéré pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Mais du coup, ça valait le coup quand même que vous puissiez la découvrir pour celles qui ne l'ont pas encore repérée. On est d'accord? Recto verso toujours, sachez que les poinçons qui sont disponibles dans la collection vous permettent de découper directement dans le papier design. Ne l'oubliez pas. Première chose, un ruban que j'adore. C'est un ruban béguin bleu. Une petite gaufre au chocolat. Tu partages Sabine s'il te plaît? Le ruban béguin bleu, c'est mon bleu préféré. Je suis tellement contente qu'il existe ce ruban béguin bleu, vraiment. Vraiment, j'adore. Ensuite, des magnifiques gemmes autocollants. Pareil, hein, on reste dans les tons bleus, je suis complètement fan. Donc ça aussi, hein, ça fera partie du cadeau pour la tombola, hein. Le papier est en 30-30, attention, et il est page 43 sur le mini catalogue. Bien sûr, comment imaginer une grande collection sans ces sets de tampons? Ils sont juste incroyables, vraiment, vraiment. La maison champignon est aussi... Ouais, t'as raison Ticia. C'est les Red Bull que j'ai pas mangé. Vous avez aussi dans le papier design, vous voyez, les maisons champignons, qui elles aussi sont poinçonnables avec le set de poinçons. Donc, gentil gnome, vous avez vu quand ils sont choupinous. Vous avez dû les voir passer hein, sur mes réseaux. Toutes les découpes, donc on a la découpe de la maison, on a les différents, ici, petits gnomes. On a leur grande moustache, on a leur chapeau, le tablier... Bref, il y a tellement de choses à faire avec. Ils sont magiques. Je peux vous dire, comme vous l'avez vu sur certaines de mes vidéos, peut-être que je les ai bien pris en main. Entre le tamponnage, les découpes et la colorisation. Je les connais bien. C'est mes copains. Ce sont mes copains. D'ailleurs, du coup, pour celles qui n'ont pas encore vu, voilà ce que j'ai joint à mes catalogues, aux personnes qui m'ont demandé le catalogue. Ou à mes clientes. Voilà, donc les petites découpes, le poinçon enveloppe que j'ai embossé dans le classeur de gaufrage mot usé, un petit morceau de papier design, le petit gnome tamponné, découpé, colorisé. Voilà, avec un petit cadeau, un petit porte-clés ange que j'ai mis dedans. Voilà. Et il y a aussi le grand retour de la peinture gonflante neige décorative qui sera parfaite pour notamment imaginer une création avec de la fausse neige. Attention, il faut l'utiliser avec le pistolet chauffant, mais ça, on verra ça pour l'utilisation le moment venu. Le pistolet chauffant servira à faire gonfler la peinture.
Et voilà, donc du coup, voilà, tout ça, c'est ce que vous allez avoir avec pour la tombola. Donc à vos commandes dès le 1er juillet, un ticket par tranche de 80 euros d'achat. Pardon. Nous allons passer à la question 9, aux questions 9 et 10. Alors, un sentiment que je vais citer, que la magie de Noël s'invite dans nos cœurs. Où trouve-t-on ce sentiment ? Gros bisous Catherine, à bientôt, merci d'avoir été là. Ouais, Laurence, pistolet chauffant. Le sentiment que la magie de Noël s'invite dans nos cœurs se trouve dans quel set de tampons? Si vous avez la dalle, c'est bientôt l'heure du goûter, c'est normal. Dixième question. Je suis dans une bouteille. Je suis de retour. Et on m'utilise avec le pistolet chauffant. Qui suis-je? C'est bon? C'est ok pour vous? Vous avez trouvé? Bien. Hop, il nous restera deux questions pour cette fameuse chasse au trésor. En attendant, je vais me refaire un petit peu de place dans tout ça. Voilà, voilà, voilà. Pendant que vous notez vos réponses. J'ai perdu mon petit bout de papier. Voilà. Je n'aurai probablement pas donc le temps de présenter tout ce que j'avais sorti sur mon bureau. J'ai encore vu trop large. Et si celle que j'entends déjà de loin qui me dit « mais bien sûr que si, tu vas y arriver » et t'en as largement assez, je sais. On ne se moque pas. On ne se moque pas. Bien. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer là? Il faut que je fasse un choix. Il faut que je fasse un choix. Allez, un papier que je ne peux pas ne pas vous montrer. Peut-être que vous ne l'avez pas aperçu dans le mini-catalogue. Mais qui là, en vrai, est juste magnifique. Tu te sens pas visée. Bonjour, bonjour. Bienvenue, c'est Magneron. J'espère que vous allez bien. Allez, je vous montre ce papier de vélin flocon. Vous vous souvenez, à une époque, on avait ce genre de papier avec les poinsettia. Et bien là, ce sont annoncés avec des flocons. Donc là, on a fait la partie velours, qui est juste magnifique. Coucou Sabine, je te redonne les questions. Question numéro 9. Que la magie de Noël s'invite dans nos cœurs, c'est un sentiment. Et dans quel set de tampons le trouve-t-on? Question numéro 10. Je suis dans une bouteille, je suis de retour et on m'utilise avec un pistolet chauffant. Qui suis-je? Donc, papier vélin assez épais. Et là, on est sur du velours. C'est trop beau. Vous imaginez vos futures créations de Noël avec ça? Il est dans ta liste? Ça m'étonne pas. Donc là, on a les flocons. Ici, on a les petits points. J'espère que vous arrivez à voir. Toujours en partie velours. Donc tout doux. Hop. Une autre sorte de... On se croirait avec le bras d'enfant boyard. Je te jure, mais n'importe quoi. On va appeler Perfora maintenant. Et l'année dernière, c'était Mère Noël. Maintenant, c'est Perforas. Ok, je prends. Oui, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et en fait, on a la dernière version avec les mêmes motifs, mais cette fois-ci en brillant. Incroyable. Vous avez vu ce rendu?
C'est absolument magique. Donc, les flocons, on retrouve les petits points comme précédemment. Tout brillant. Et pareil avec les autres formes. Oui, c'est ça, j'avais fait, t'as raison, j'avais fait un sac avec les poinsettias velours Noël dernier ou en 2020, je sais plus exactement. Voilà ce magnifique papier. Il est énorme. Il est vraiment, vraiment incroyable. Oui, je vais être obligée d'arrêter hein, parce que du coup, vous allez en avoir marre. Et puis, je vais en garder quand même un petit peu parce que je vais probablement prévoir de nouvelles portes ouvertes un petit peu plus tard. Et cette fois, on sera sur des créations, bien sûr, automne, Halloween, Noël, ce qui sera quand même plus adapté. Aujourd'hui, il était vraiment important pour moi de vous faire découvrir tous les produits de la Celebration. Ce sont vraiment des produits exclusifs qui ne seront présents que pendant 2 mois uniquement. Oui, votre carte magnifique, je m'en souviens très bien. J'espère que vous allez bien. Heureusement que tu me le montres, je ne le visualisais pas comme ça. Génial. C'est aussi ça, à ça que je sers. C'est aussi pour ça que je fais les portes ouvertes. C'est aussi pour vous montrer certains produits qui ne sont pas forcément mis en valeur ou tout simplement qui n'attirent pas directement notre œil. Et ces produits SAB, vraiment, ils sont vraiment très beaux. On a pour celle-ci une incroyable qualité de produit et de diversité aussi, et qui n'est pas uniquement focalisée sur Noël, parce que du coup, c'est la SAB de juillet-août, et ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. Je sais que vous avez beaucoup aimé certaines des créations, je vous en montre quelques-unes. Et puis, il y a aussi le fameux agenda pour rejoindre donc mon équipe dès le 1er juillet. Attention, ça n'est pas un cadeau de ma part, hein. C'est bien le cadeau Stampin' Up avec le set de tampons, les cahiers, etc. Voilà, Stampin' Up a mis le paquet, nous propose une deuxième SAB de l'année vraiment incroyable. Il se fiche pas de nous. C'est quand même assez sympa de travailler pour une entreprise comme ça, il faut le dire. Les produits SAB comme ça, c'est vraiment magique. Il nous reste 2 questions, mais avant ça, je voulais vous rappeler que j'ai lancé les inscriptions pour les échantillons. Vous le savez, à chaque sortie de catalogue, je propose des échantillons. Donc cette fois-ci, pour le mini, je propose les papier design, les papiers spéciaux, mais également les embellissements et les rubans. Donc vous avez le lien à dispo en haut de la vidéo sur Facebook, dans la barre d'infos, sur YouTube, mais également sur ma page Facebook et sur mon blog. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous avez toutes les infos, tous les détails. Évidemment, je vous fais des petits cadeaux, hein. Si vous prenez les 4 lots, vous allez pouvoir découvrir tout ça, donc n'hésitez pas. Le dernier se trouve dans le mini et à quelle page? Le dernier quoi, Véronique? Le dernier papier, c'est le... Oui, c'est dans le mini catalogue. Regarde, dans les papiers spéciaux à la fin, il y a une sorte de sommaire où tous les papiers spéciaux sont indiqués. Page 40, Vélin spécialité. Merci Cécilia. C'est trop gentil. Donc voilà, les inscriptions pour les échantillons du mini catalogue sont ouvertes jusqu'au 12 juillet 20h. Vous avez toutes les explications sur mon blog que je vous demande de bien lire, s'il vous plaît. Faites ça pour moi. Ce n'est pas... Oui, Laurence, je l'ai reçu, mais je suis en mode réflexion, donc je te réponds très vite, ma belle. Pas de problème. D'accord? Donc n'hésitez pas à bien lire, s'il vous plaît, tout l'article. Toutes les infos sont dedans. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, pour avoir la réponse à vos questions.
On va juste donc terminer la chasse au trésor avec les deux dernières questions pour vous faire gagner donc évidemment le kit d'embossage. Hop, je reviens ici et c'est parti pour la question 11 et la question 12. Question numéro 11. Je suis un poinçon qui sera un contenant parfait, quelle que soit l'occasion à fêter. Qui suis-je? Je répète. Je suis un poinçon qui sera un contenant parfait, quelle que soit l'occasion à fêter. Qui suis-je? Attention, dernière question de cette chasse au trésor des portes ouvertes virtuelles du mini-catalogue. Est-ce que vous êtes prête? Nommez un ou plusieurs sets de tampons représentant des animaux de compagnie. Question numéro 12, dernière question de la chasse au trésor. Nommez un set de tampons représentant des animaux de compagnie. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez réussi à noter toutes ces questions? Je vous rappelle ce que vous avez à gagner. Je vous rappelle aussi que pour participer, il faut m'envoyer vos réponses par mail harmoniescrap@harmoniescrap.fr à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 juillet 20h. D'accord? Uniquement par mail. Et je ferai un tirage au sort, soit le 4 au soir, soit le 5 au matin, pour faire gagner donc cet ensemble de kits d'outils d'embossage auquel je rajoute le pad d'encre Versamark. Si vous ne l'avez pas encore, il ne vous restera plus qu'à investir dans le pistolet chauffant et vous serez la reine de l'embossage à chaud. Ça sera parfait. J'espère que ça vous fera plaisir. N'oubliez pas qu'il y a encore les liquidations en ce moment du mini actuel jusqu'à demain soir. Plein de réductions. Donc c'est le moment de vous faire plaisir. Les kits tout compris, moins 50% sur le plus cher, c'est pareil, c'est jusqu'à demain. Après, ça sera terminé. D'accord? Donc n'hésitez pas. Oui, je peux redonner les deux dernières questions dans 30 secondes. Et je vous rappelle aussi donc la tombola où je vous fais gagner exceptionnellement la collection complète Histoire de Gnome d'une valeur de 99 euros. Vous pouvez participer entre le 1er et le 31 juillet, un ticket par tranche de 80 euros d'achat. Et donc le tirage au sort sera fait début août pour savoir qui aura la chance de gagner cette collection complète. Voilà, ça y est, nous arrivons à la fin de ces portes ouvertes. Coucou Odile, eh bien il n'y a pas de souci, quand le live sera terminé, il sera disponible sur la chaîne, il reste hein, bien sûr sans aucun problème et sur la page Facebook. Donc vous pouvez revoir toutes les questions sans souci. La reine de l'embossage à chaud, pas sûr que ce soit très glamour. Si, quand tu fais des belles créations et tout, je suis pas d'accord. Merci pour ces belles découvertes, Bigfoot. Mais bien sûr, Véronique me redemandait la question numéro 11. Je suis un poinçon qui sera un contenant parfait, quelle que soit l'occasion à fêter. Qui suis-je? Et la dernière, nommer un set de tampons représentant un animal de compagnie. Voilà, nous arrivons à la fin de ces portes ouvertes virtuelles. Quelques informations pour terminer. Il y a un live là, créatif la semaine prochaine et ensuite je partirai en vacances. Donc il n'y aura pas de live le 13 et le 20 juillet. On se retrouvera donc le 27 juillet pour nos lives créatifs, enfin dans la semaine, plus précisément, excusez-moi, on se retrouvera dans la semaine du 22 juillet. D'accord? Donc je serai en vacances du 7 au
24 juillet, je me suis trompée de date, hein, mais je vais tout vous remettre, vous inquiétez pas. Vous aurez toutes ces infos sur ma page Facebook. Je ne vous abandonne pas sans vous donner toutes les infos, pas de problème. Ça marche pour celles et ceux qui sont disponibles et qui sont pas trop loin de chez moi. On fait les portes ouvertes samedi après-midi à la maison. Vous êtes les bienvenus avec grand plaisir. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas les inscriptions pour les échantillons. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition avec un grand plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo également si vous avez passé un bon moment. J'espère vous avoir inspiré, vous avoir fait découvrir de belles choses. Et puis j'espère vous retrouver très très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. Avec plaisir, Nathalie, en tout cas. Coucou Catherine, on s'est raté de peu, mais vous allez pouvoir voir le replay avec grand plaisir. Merci d'avoir été là. Merci de votre bienveillance, de vos sourires que vous m'avez transmis au travers les écrans. Et on se retrouve donc très très bientôt pour un nouveau live créatif. Je vous embrasse. Ciao, ciao!